C'est dur pour nous tous. Femi était mon frère. Bien sûr que sa mort a été un choc pour nous tous. Pourquoi ai-je l'impression que je suis l'intruse dans cette maison? C'est comme si je n'étais pas à ma place. Non. De quoi est-ce que tu parles? Oh, ma chérie. Chérie, je sais ce que tu ressens, mais crois-moi, t'es de la famille. Non, je n'en fais pas partie. C'est pas le cas. Mais qu'est-ce que tu dis? Écoute, mon Dieu, Seigneur. Tu as un fils. T'es notre famille. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Crois-moi, ça va aller. Tout ira bien. Crois-moi. Ça ira. Désolée. C'est bon, ça va. Hein? Garde la foi. Allez bébé, prends ça, tu bois. Tu ne vas pas bien, Femi. Pardon, prends tes médicaments, parce que je ne veux pas que ta mère dise que j'ai tué son fils. Montre ta main.
Tu dis que tu vas bien? Tu ne vas pas bien. Je vais bien, ça ira après le traitement. Allez, tiens. De l'eau. C'est bien. Vas-y, prends-en encore. Voilà, c'est bon. Tu peux être plus tranquille maintenant, c'est bon. Je vais me reposer. Ouais, tu peux maintenant. Bonjour, mon garçon. Bonjour, mon. Quand est-ce que t'es arrivé? Ça ne fait pas longtemps. Comment tu vas aujourd'hui? Je ne fais que dire à ma femme que je vais bien, mais... elle n'arrête pas de me forcer à boire ses médicaments. Bonjour, maman. Blossom. Maman. Peux-tu me laisser un moment? Je dois parler à mon fils. Maman. Pardon? Quoi que tu veux lui dire, tu peux très bien le faire devant ma femme. Écoute-moi très bien. Je pense qu'une mère a besoin de son intimité avec son fils. C'est bon, chérie. C'est bon. Je vais te préparer ton déjeuner, ok? C'est pas grave. Oh! Ok. Oui, fais ça. Mais... t'en fais pas. Pas besoin de te disputer avec ta mère. Je vais bien. Crois-moi. Excusez-moi. Maman, c'était méchant ça. Oh, ferme-la. Hé, hey, Alex. Maman. Comment tu vas? Je vais bien. Maman, Alex est mon fils. Le premier arrivé à la cuisine aura le plus gros morceau de poisson. Oh oui. D'accord, on y va. Allez. Alex, j'arrive. Espèce d'idiot. Si seulement tu m'avais écouté. Oh, cette fille. Maman, le repas est servi. Pourquoi ne pars-tu pas de cette maison? Cela me rendrait heureuse. Maman, ça c'est la maison de mon mari. Et celle de mon fils. Ce garçon qui a tété mon sein pendant 3 bonnes années non-stop. Écoute-moi très bien. Blasom ou peu importe comment on t'appelle. Prie pour qu'il n'arrive rien à mon fils. Et ne pense même pas que ton bâtard de fils aura un héritage dans cette maison. N'importe quoi. Hé, mon amour, t'es là? Ouais. Alors, dis-moi, comment te sens-tu? Bébé. J'ai pas su à quel moment t'es descendu. Je ne crois pas que mon état de santé soit ce qui te préoccupe vraiment en ce moment. Alex. Alex, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Est-il blessé ou autre chose? Non. Je suis juste inquiète. Et s'il t'arrivait quelque chose? T'es sérieuse là, bébé? Je veux dire, qu'est-ce qui va m'arriver? Rien ne va m'arriver. Je vais bien, ok? Ok? Mais ta mère ne m'apprécie pas. Je te l'avais dit. Ma mère a toujours été une femme très stricte. Je t'ai dit comment elle était.
comment elle nous traitait, ma sœur et moi. Allez, ne le prends pas personnellement, d'accord? Non, mon amour, c'est encore pire. Je ne pense pas que... C'est quelque chose à voir avec le fait d'être script ou discipliné ou quoi que ce soit. Et s'il t'arrivait quelque chose, mon amour? Ce que je ne souhaite pas, mais notre fils n'aura rien. Rien ne va m'arriver. Ok, d'ici quelques jours, je sais que je retrouverai toute mon énergie. Ok, regarde ça. Regarde bien. T'inquiète pas, je suis plus fort qu'un lion. Je suis un homme fort. Je t'aime, mon amour. Ouais. Trésor, doucement. Ah. Tu vas bien? Oh, mon amour. Attends un peu, Trésor. Attends, je veux m'asseoir à côté de toi pour un peu... Chérie? Chérie? Attends. Trésor? Trésor! Blossom, t'as besoin de te reposer. Tu dois te reposer, moi je vais voir grand-mère dehors. Maman? Maman, arrête de pleurer. Maman, arrête de pleurer. Maman, lève-toi, tu dois aller prendre ton bain. T'entends? Il a raison. Allez. Ça ira. Désolée. Alex, prends soin de ta mère. Je vais voir grand-mère. J'arrive. D'accord. Cette pute mérite de se sentir ainsi. Cette idiote de fille et son bâtard de fils n'hériteront même pas un seul sou de l'héritage de mon Maman fils. Maman! Maman, Alex n'est pas un bâtard. C'est ton petit-fils, mais bon sang, qu'est-ce qui t'arrive? Il n'y a aucune preuve. Maman, la preuve? Ils se sont mariés des années avant qu'elle ne tombe enceinte. Maman, qu'est-ce que tu suggères, dis-moi? Maman, je sais que tu n'aimes pas le fait que Femi ait épousé une fille Igbo. Mais qu'est-ce que... Tu l'as fait? Oh! En fait, tu l'as fait? Oui, tu l'as laissé épouser cette croqueuse de diamant. Et voilà qu'elle l'a tuée. Maman? Maman, elle a... Oh! Tais-toi! Tu es ma fille et tu es censée me supporter à ce stade. Non! Elle n'a tué personne. Maman, j'aimais Femi. Il était mon jumeau. Pareil pour la famille. N'ose plus jamais me faire la gueule. Plus jamais. Je vous ai porté et vous ai nourri tous les deux. Une vraie mère est censée être chaleureuse. Non, pas égoïste, insensible et agaçante comme toi. Mais Cassie, reviens ici. Reviens ici. Ouais, qui est là? J'arrive. Ouais. Qui a... Mais j'ai entendu quelqu'un frapper. Que... Une convocation? Jésus. Jésus. Toi?
fait ça? Oui, je l'ai fait. Tiens-toi prêt. Je suis la veuve de ton fils, la mère de ton petit-fils. Ce que tu cesseras d'être dans peu de temps, quand j'aurai fini avec toi. De quoi tu parles? Tu es folle. Tu es venue là, pensant avoir réussi ton coup, en tombant enceinte, afin de récolter où tu n'as pas sémé. Tu as reçu la convocation. Alors prépare-toi à aller en justice. Quand j'aurai terminé avec toi, tu n'auras plus de pied pour entrer dans ton trou. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi me détestes-tu autant? Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire de mal? Le fait de ton existence me fait mal. Le fait que mon fils ait épousé une fille qui n'est pas de sa tribu n'est pas aussi correct. Maintenant qu'il est mort, jamais je ne vous le pardonnerai. Je dis ça, jamais. N'importe quoi. Pour le massacre. Salut, oui, mes amours. Chérie, ton fils et toi. Alex? Alex est trop... Alex? Maman. Compte pas sur moi pour te laisser gagner. Maintenant, je vais te gâter. Hein? Il n'y a plus de jeu. Voyons. Non, chérie, il n'y a plus de jeu, vous devez arrêter. Ouais, je vous assure, c'en est de trop. Arrêtez! Alex, ça suffit, recule. Assieds-toi. Laisse-moi m'asseoir à côté de mon bébé. Tu sais que tu n'es plus un bébé. Alex? T'es plus... Alex n'est pas d'humeur. Je ne sais pas ce qu'il a ton Alex, fils. Alex, tu vas bien? Ouais. Tu sais quoi? Monte dans ta chambre et je te rejoindrai dans un instant. D'accord? Allez, prends le biscuit. Je dois parler à ta mère. Ok. Hey. Oh. Papa? Alex, viens. Tiens. Merci. Alex! Reviens. Viens faire un tabla à ton père. Il fait la tête, pourquoi? À cause du jeu vidéo? Bien, j'arrive. Ok? Alors... Salut. Navré, je suis désolé, je ne voulais pas vous faire peur. En fait, je faisais le tour du parc et j'ai remarqué que tous les sièges étaient occupés.
Donc, j'ai décidé de vous rejoindre, si ça ne vous embête pas. Puis-je m'asseoir? Merci. Merci. Bon après-midi, tonton. Bon après-midi. Comment tu vas, mon pote? Quoi de neuf? Oh! Oh, désolé. Vas-y doucement, ok? Tu es un grand garçon. Tu peux gérer ça. Oui, après. Alex. Vas-y super. Doucement. Alors, que prenez-vous? Puis-je avoir votre commande? Non, merci. Ça va vous aller. En es-tu? Ouais, merci. D'accord. D'accord. Alors, c'est le vôtre? Je veux dire, c'est votre fils? Ouais. Oh, je vois. Vous êtes marié? Oh, navré. Ce n'était pas mon intention, ok? Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise avec ma question. Navré pour ça. Alex, nous devons partir, ok? Au moins, dites-moi votre nom. Quel est votre nom? Dites-moi, demandez-vous le nom des femmes mariées? Hey, vous n'avez pas besoin de partir, ok? Je voulais juste connaître votre nom. Je suis désolé. Hey! Should I go? Should I stay? Bonjour, maman. Garde-le. Garde-le. Il n'y a rien de bon en cette matinée, après avoir enterré mon fils. N'as-tu pas atteint ton objectif? N'as-tu pas rempli ta mission? Que fais-tu encore ici? Maman, de quelle mission est-ce que tu parles? C'est à moi que tu demandes. Ta mission qui était de tuer mon fils. Puisque c'est fait, ramasse tes affaires et va-t'en! Maman, j'aimais mon mari. J'aimais beaucoup Fémi, au point où je ne pouvais même pas lever la main sur lui. Mais tu lèverais ta main sur sa fortune si je te lisais. Jusqu'à ce que tu reprennes tes sens et t'en fasses ici. Blasphème, je te ferai vivre un enfer. C'est compris? Pétasse. Pourquoi pleurez-vous? Pardon? Vous en avez besoin. Excusez-moi. Vous êtes la femme de l'autre jour. Que faites-vous là? J'aimerais vous demander la même chose. Que faites-vous là? Je voulais changer d'air. Blasphème, pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture dans cette maison? Je suis désolée, maman, je me suis levée tard. Je faisais le ménage, mais le repas sera bientôt prêt. Maman, patiente. Est-ce que tu t'entends parler? Tu es incapable de gérer une maison. Espèce de bâtarde. Maman, je suis pas une bâtarde. Alors, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qu'une prostituée, en plus une grosse prostituée de ton état, pourrait avoir comme famille? Personne. Personne du tout. Si tu veux rester dans cette famille, tu as intérêt d'être humble. Est-ce que tu m'entends? N'importe quoi. Calme-toi. Non, Blasphème, arrête. Non, juste calme-toi. Arrête.
Non, Blos. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je... Maman, je peux te poser une question? Ouais, Trésor, viens. Suis-moi, allons nous asseoir. I marry for love, not for tribe. Please, mama, let's live as one. Oh, oh. Maman, pourquoi mamie ne cesse de te crier dessus? Est-ce que ça signifie qu'elle nous déteste? Non! Ta grand-mère ne nous déteste pas, ok? C'est juste que ton père lui manque beaucoup. C'est pour ça qu'elle réagit ainsi. C'est tout, t'as pas besoin de t'inquiéter, d'accord? Tu en es sûre? Bien sûr! Absolument! Espèce d'idiote, fais-le! Quoi? Tu veux me gifler encore? Si c'est la seule chose qu'il faut faire pour pouvoir te ramener à la raison, je suis prête à le refaire. Casey, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui t'arrive au juste? Venant de quelqu'un qui maltraite la femme de son défunt fils. Elle n'a jamais été la femme de Femi. Je les ai juste laissé faire. Oui, parce qu'elle est tombe enceinte, la mère, histoire de tous les jours. Maman, ils ont été mariés pendant 7 bonnes années. Dis-moi, Femi s'est-il plein jour à cause d'elle? Elle n'obtiendra rien de mon fils. Attends juste que ceci aille en justice. Hein? N'importe tribunal? Quoi? Ok, maintenant tu peux t'en aller. Mais finis les jeux, d'accord? C'est l'heure de la sieste. Tu vas bien? Oh, sœur? Ouais, ma puce. T'es occupée ou tu... Non, voyons, viens t'asseoir. Cassie, tu sais que tu es ma seule confidente dans cette maison, n'est-ce pas? Blossom, je veux juste te dire que ma mère n'est pas prête à te laisser avoir un seul radis de la fortune de Femi. Écoute, elle peut essayer ce qu'elle veut. Elle peut faire ce qu'elle veut. Mais ne l'oublie pas, j'ai un fils avec ton frère. Alors, je ne suis pas prête à quitter cette maison. Encore moins de laisser mon fils perdre son seul héritage. Prête pour aller en justice? Quoi? Blossom, ma mère ne s'amuse pas. Et lorsqu'elle parle de justice, c'est cela. Tu sais... Je ne soutiens pas ma mère. Donc, au cas où tu te retrouves butée, juste, je suis là pour toi, ok? Ce que j'essaye de te dire, c'est que si t'as une quelconque alternative, applique-la dès maintenant. Une alternative? Quelle alternative? J'essaye de dire ceci. Si t'as un peu d'épargne, juste utilise cela. Fuir? Fuir avec Alex? Voyons, tu sais bien que c'est impossible. Je ne peux pas m'enfuir avec mon fils permettant qu'il perde l'héritage que lui a légué son père. Non, je ne peux pas. Non. Non! Ce n'est pas ce que je dis. Très bien, je te comprends. C'est pas ce que tu voulais dire, ok, d'accord. Mais je suis également consciente que tu ne te lèveras pas en justice contre ta mère. Donc, c'est tout simplement de ça qu'il s'agit ici, hein? Non. Blossom, ça c'est les gosses.
Et tu n'es pas Yoruba. Crois-moi, ma puce, tu ne peux pas du tout avoir la chance. Du tout. Vraiment? Alors, regarde-moi faire. Cassie, si ça ne t'embête pas, j'aimerais me reposer. Blossom? Cassie, j'ai dit que j'aimerais rester seule. S'il te plaît. Désolée. Merci. Mais tu dois savoir... Tu peux en avoir plus si tu veux, tu sais. C'est très bon pour le corps. Ce sont les protéines. Et les enfants ont besoin des protéines. N'est-ce pas, Cassie? Oh oui, grand-mère nous forçait, ton père et moi, à finir un gros poisson. Un poisson entier? Allez, mange. C'est encore très bon quand c'est chaud. Oui, mamie. Où est ta mère? Ne vois-tu pas qu'il a faim et qu'il a envie de manger? Je me demande quel est ton problème. Je lui ai préparé un plat spécial à manger. Merci, grand-mère. Qu'est-ce que tu fais? Cassie, qu'est-ce que tu fais? Tu as à peine touché ton plat. C'est juste que j'ai perdu la petite à un moment. Dommage. Oh. Ton repas est bon? Oui. Régale-toi, ok? Encore une bouchée. C'est si bon. Régale-toi, mon fils. Je peux t'assurer, Blossom, ma mère a un plan en tête. Et cette bataille, tu la perdras. Tu penses que ta mère serait capable d'empoisonner son propre petit-fils? Attends une minute. Est-ce que c'est ce que vous planifiez faire? Quoi? Non! Elle n'osera pas. Mais nous... Il n'y a pas de mais, Cassie. Pour être franche, je pense que mon fils a dorénavant besoin de quelqu'un qui veille sur lui davantage. Et toi alors? Ouais, je suis une veuve. Une orpheline. Je n'ai aucune famille. Je n'ai personne. La seule personne que j'avais est morte. Donc, tu vois, tout ce que je veux maintenant, tout ce que je souhaite, c'est le bien-être de mon fils. Il n'y a rien d'autre. Et? Vas-y. Cassie, Biko, arrête. Alex, où est-ce que t'es? Alex! Alex? Alex! Alex! Alex? Il n'est pas là. Où est-ce qu'il est passé?
Cassie? Cassie, réveille-toi! Quoi? Cassie, réveille-toi! Où est passé, Alex? Quoi? Cassie, réveille-toi, je t'en prie, réveille-toi! Cassie! Je ne retrouve pas Alex! Alex? Ouais, quoi? Alex! Dis-moi, tu sais où est Alex? Je ne comprends pas. Tu t'es endormie avec... Nous avons dormi ensemble, ouais, nous avons dormi ensemble. Mais quand je me suis réveillée, il n'était plus dans la chambre. Mais je... J'ai bloqué la porte principale. Oui, je l'ai fermée. C'est et comment pas qu'il pouvait sortir. Grand... Cassie, viens, s'il te plaît. Allons chercher mon fils, je t'en prie. Allons-y, allons-y, je t'en prie. Viens, dépêche. La télé est encore allumée au salon. Là, t'es prête à écouter? Cassie, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien que... Maman serait incapable de me prendre mon seul fils, Alex. Tu sais comment il m'appréciait et combien je me tue à prendre soin de lui. Hein? Elle va le dresser contre toi. Elle le fera. Allez, comment peux-tu dire ça? C'est impossible. Maman serait incapable d'utiliser son propre petit-fils contre moi. C'est même inimaginable, s'il te plaît. Je vais me rendormir, bonne nuit, et n'oublie pas d'éteindre la télé. Ok, j'y vais. Je le savais. Je connais quel est ton plan depuis le début. Enfin, tu me l'as prouvé. Prouvé quoi? Pourquoi l'as-tu enlevé de mon lit la nuit dernière? Alex? Non, Félix! Tu l'as enlevé très loin de sa grand-mère. Parce que tu veux la voir seule pour t'accaparer de la fortune de mon fils. Je l'ai juste pris, sans mauvaise intention. Ferme-la! Allez, ferme-la! Écoute-moi, écoute-moi très bien. Ce garçon est à moi. Et toi, tu n'as rien. Je l'ai porté pendant 9 mois. Je lui ai donné une éducation. Alors, il est à moi, c'est mon fils. Tu ne peux pas me l'enlever. On verra bien. Hé, mon cœur. Maman, tu m'appelais? Non. En fait, je t'ai appelée. Dis-moi comment tu vas, mon chéri. Attends, allons à l'intérieur. Alex? Monte dans ta chambre, d'accord? Pendant ce temps, je vais te préparer quelque chose à manger, ok? Reste-y. J'arrive, ok? C'est fermé. Ah! Où est la clé? Mais il y avait une clé sur la porte. Seigneur, la clé a disparu!
Mais où est cette clé? J'espère que c'est pas ce à quoi je pense. Oh mon Dieu, que signifie encore tout ça? Hein? Oh. Que va manger mon fils maintenant? Dieu, c'est encore quoi ça? Qu'est-ce que mon fils va manger? Oh Seigneur, qu'est-ce que je fais? Où est passée cette femme? Maman, j'ai faim. Trésor, t'as faim? Ok, t'inquiète pas, je vais te faire le petit déjeuner. Oh, t'as compris? C'est bon, je suis désolée. Patiente, d'accord? Coucou, mon garçon. Je suis enfin rentrée. Tu peux déjà venir. Oui. Bien sûr. Anna. Ok, je t'appelle plus tard. Donc comme ça, tu as privé ton petit-fils de nourriture, juste parce que tu veux m'atteindre? Anna. Viens-tu juste de m'appeler par mon nom? Tu m'as bien entendu! Ouais! J'en ai plus qu'assez de tes bêtises! En fait, ça fait des années que j'en ai jusque-là, et c'en est assez! Va-t'en. Va-t'en, prends tes haillons, et va-t'en. Retourne dans ton sale trou! Si je suis restée aussi calme, c'est pour l'amour que j'avais pour mon défunt mari. Ne me pousse pas à bout! Sinon, vas-tu me tuer? Vas-tu me tuer? Juste comme tu as tué mon fils? Sale pute! Fille de Jézabel! Viens, crache ton venin quand j'aurai fini avec toi. Tu n'auras pas la chance de prendre tes haillons pour quitter cette maison. Où est-ce que tu vas? Vas-y, viens, où est-ce que tu vas? J'ai cru que tu avais du cran. Sale conne. Quelle idiote celle-là.
Seigneur. De la tuer. Non, je ne peux pas faire ça. Je suis impuissante. Même si je devrais dépenser mon dernier sou, je me battrai. Je me battrai pour mon fils. Ma clé. Où est la clé de ma voiture? Mais je l'ai gardée ici. Où est... C'est bon. As-tu dit à ta maman que mamie s'occupe bien de toi? Maman. Où est la clé de ma voiture? Oh, tu cherches les clés de la voiture? Alex, as-tu vu la clé de voiture de ta maman quelque part dans la maison? En es-tu sûre? Dis-le-lui. Mange tant que c'est encore chaud, mon fils. Fiston, ouvre ta bouche. Mamie s'occupe très bien de toi. Voilà. Oui. Oh. Encore une bouchée. Ça, c'est mon fils. Je t'assure, si elle n'était pas ma belle-mère, si elle n'était pas ma belle-mère, hein. Elle n'est pas n'importe qui. C'est la mère de ton mari et c'est sa maison. La maison de mon mari. Il est où ton mari? T'es vraiment entêtée. Si je me rappelle bien, je t'ai dit de partir. Laisse toutes ces choses pour elle. Non, Cassie. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Blossom, juste... Pense comme une mère et mets l'orgueil de côté. Il ne s'agit pas de fierté. Je ne peux pas laisser mon fils vivre comme un bâtard alors qu'il avait un homme fortuné pour père. T'as vu son testament? As-tu vu son avocat? Et même pourquoi n'était-il pas là après sa mort? Blossom, ma mère t'a maltraité avant sa mort. Et tu penses qu'elle restera là à te regarder? Non! Tiens.
clé. Je l'ai cherchée partout. Où est-ce que tu l'as trouvée? Je te l'ai dit. Je connais ma mère. Elle l'a cherchée, mais je l'ai prise avant. Vraiment, merci, Cassie. J'ai vraiment faim. Il faut que j'aille me trouver quelque chose à manger. S'il te plaît. S'il te plaît, écoute. Pense à ce que je t'ai dit. Rassure-toi que ton fils soit toujours à côté de toi. Quand je dis toujours, c'est toujours. Ouais, merci, Cassie. Je dois aller chercher quelque chose à manger. Je t'en prie. Oh. Le titre de ce livre est Le lever du soleil sur l'Amazon. Répète après moi. Le lever du soleil sur Amazon. Bien. Tu sais, à notre époque à l'école, on avait la phonétique comme la matière. Ok, tu vas lire à partir de là. La première ligne. Après tous les intérêts portés à ce site, le progrès de... Non, tu ne le fais pas bien. Écoute-moi très bien pendant que je lis. Après tous les intérêts portés à ce site, le public et le peuple étaient prêts à entrer dans l'Amazon et dans la grâce et la protection de Dieu. J'ai ressenti fortement que l'histoire devrait être écrite. Ok, on recommence. Après tous les intérêts portés à ce site... Non, les intérêts. Après tous ces intérêts Alex? Portés... Maman, viens voir. Allez, viens, Alex. Blossom, que penses-tu être en train de faire? Mon trésor? Alex, quel jour sommes-nous? Le 15. Alors, qu'est-ce qu'on fait le 15? On va au centre commercial ou au parc. Parfait. Alors, aujourd'hui, c'est le 15. Nous irons au centre, ok? Ensuite, nous irons faire un tour au parc. Tous les deux, d'accord? Ok. On se prépare. Comment être sûr que Femi est le véritable père de ce garçon? Femi est brun, sa sœur est brune. Et moi aussi je suis brune. Mais sa femme est sombre, même pas noire. Il y a quelque chose qui cloche quelque part, oui. Je dois appeler Bissi. Oui. Allô? Bissi? Bissi, vous êtes plus qu'une avocate à mes yeux. Vous êtes plus qu'une sœur cadette à mes yeux. C'est pourquoi je vous ai choisi pour ce cas. Je ne veux pas que cette femme quitte cette maison avec ni un rond, ni une paire de sandales. Est-elle mauvaise? Qu'elle soit mauvaise ou pas. Je n'ai pas confiance à ces filles, Beau. J'ai fait une grave erreur en laissant mon fils l'épouser. Maintenant que mon fils est mort, jamais. Pardonnez ma curiosité, madame. Avez-vous lu les résultats d'autopsie de la dépouille de votre fils? Vous ne l'avez pas fait? C'est la raison pour laquelle elle se bat pour l'héritage de votre fils. Vous savez, les jeunes filles de nos jours, il ne faut pas les sous-estimer. Elles peuvent être dangereuses, vous savez. Je veux lui donner une très bonne leçon. Et la voir moisir en prison. Et le garçon? Il reste avec moi. Et pour ce qui est de cette pute, elle doit confesser le meurtre de mon fils. Et aller en cellule. Ce ne sera pas aussi facile, vous savez.
J'espère que cette fille a fait ce que je lui ai dit. Elle doit pas me décevoir. J'espère qu'elle a fait. Hein? Hé, hey, c'est sa voiture. Et ça veut dire... Non. Blossom! 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 Qu'est-ce que tu fais là? Blossom? Blossom! Cassie? Blossom, lève-toi! Cassie, t'es rentrée? Tu me demandes si je suis rentrée? On est quel jour aujourd'hui? Cassie, je suis fatiguée. Blossom, lève-toi! Où est ton fils? Où est Alex? Alex? Où est Alex? Alex? Où est Alex? Cassie? Mon fils? Alex! 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 Où est mon fils? Où est passé mon fils? Je sais pas. Oh mon Dieu, oh Seigneur! Où est mon fils? Attends. T'as regardé sa chambre? Je suis allée dans sa chambre, mais il n'y est pas. Il n'est pas dans sa chambre. Je l'ai cherché partout. Où est mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Je sais vraiment pas. Oh Seigneur! C'est cette femme ici. Où est mon fils? Où est Alex? Anna, où est mon fils? Madame Femi, ce sont de sérieuses accusations que vous portez là. Rectificatif. Madame Blossom. Madame Blossom, nous savons tous que nous possédons assez de preuves. Pouvons vous mettre derrière les barreaux pendant nos mois? Vous vous amusez peut-être? Hein? Dites-moi qu'est-ce qu'elle a fait? Dites-moi quelle est son offense? Son offense? Ok. Vous voulez savoir? Oui. Violation de domicile et perpétration de meurtre. Quoi? Oui. De quoi est-ce que vous parlez? Mère! Maman! Oh, ça c'est... Eh bien, ma cliente que voici croit qu'elle serait responsable de la mort de son fils. Exactement. Et elle est ici pour reprendre les biens de son fils. Qui est justement le sien. Vas-tu la fermer? Maman, désolée, mais jamais... Je ne serai de ton côté. Quoi? Oh! Veux-tu combattre ta mère? Maman, tu me désoles. Je te déteste. Quel genre de mère es-tu? Comment oses-tu? C'est bon, madame. Calmez-vous. Nous ne sommes pas ici pour ça. Avez-vous entendu ça? On est là pour passer un message. Avez-vous entendu ça? L'avez-vous bien entendu? Elle veut défier sa mère. C'est bon, madame. Calmez-vous, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour passer un message avant que ceci n'arrive devant la cour, ok? Calmez-vous. Et en ce qui vous concerne, Madame Blossom, je vais vous parler clairement et je vous conseillerais de m'écouter très attentivement. Nous allons entrer et vous allez signer ce document qui vous interdira l'accès à cette maison à nouveau. Oui. Et donner à ma cliente que voici la garde permanente d'Alex. 1 million vous sera donné pour refaire votre vie. Hors de cette maison. Si vous ne le faites pas, vous pouvez vous dire adieu. Et soyez prête à aller en prison pour meurtre. Sale meurtrière. Quoi? Et ceci, ce dossier que vous voyez, contient tous les documents de votre mari. Tous les biens que votre défunt mari possédait. Alors, vous pouvez voir que c'est une bataille perdue d'avance pour vous. Chaleur.
Is this life, is this life, dying slowly? Mama, why are you doing this to me? Never did bother to be part of your family. Why are you killing me? Mon fils. Non, 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 tu dois te reposer. Tu t'es évanoui il y a un moment. T'inquiète, juste repose-toi. Oh, mon fils. Non, Blossom, non. Cassie, mon fils. Je sais, non, tu dois te reposer. Ça va aller. Juste, repose-toi. Je vais te chercher quelque chose. Ne va nulle part, je reviens. D'accord. Cassie? Ouais, je me sens mieux maintenant. Super. Ouais, Cassie. Tu sais que je n'ai personne. Je suis toute seule et tu le sais bien. En dehors de toi, bien sûr. Je peux dire que t'es mon repère, ouais. J'ai pas assez d'argent dans mon compte et j'ai besoin de payer un avocat. Je ne crois toujours pas que c'est ma propre mère qui fait cela. Mais t'en fais pas, je ferai de mon mieux, d'accord? Je le ferai. Je t'ai toujours fait confiance. Merci beaucoup, Dalou. Le Igbo, n'est-ce pas? Oui, ma belle sœur chérie. Je t'en prie. Merci. Comme je disais, en allant au travail, je vais trouver un avocat qui va vous aider à récupérer votre héritage. Merci. Sois juste prudente. Ouais, je le serai. Vraiment, merci beaucoup. Bye. Bye. Bonne journée à toi, ok? D'accord. Ne me tue pas, je t'en prie. Ah, que je ne te tue pas? Alors que tu essayais de me tuer? Je vais te tuer aujourd'hui. Tu sais, s'il te plaît. J'attendais cette opportunité. Donc aujourd'hui, s'il te plaît. Je vais te tuer. S'il te plaît. Sale sorcière. Donc tu es allée jusqu'ici de me tuer. Je vais te donner une leçon. Maman, tu veux me dire que c'est un esprit maléfique qui t'a fait cela? Cette pauvre sorcière Billy Blossom m'a envoyé son esprit maléfique. Maman! Blossom qui s'est évanouie hier et qui essaye de se rétablir. Tu veux dire qu'elle a envoyé un mauvais esprit pour t'ensorceler? Maman, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ce genre de question? Défends-tu toujours cette fille? Hein? Ne suis-je pas ta mère? Maman, t'es ma mère. Mais cela ne change pas le fait que tu sois méchante envers elle.
Maman, tu as voulu faire quoi? Maman! Mais j'ai honte de toi. J'ai très honte de toi. Hey! Donc, depuis tout ce temps, je vis un enfer. Oh, c'est vraiment dur. Alors, quoi maintenant? C'est quoi la suite? Ma belle-mère a volé mon fils. Et le seul moyen de pouvoir le revoir, c'est de signer ce contrat. Quel contrat? Écoute, Caleb, je sais que tes intentions à mon égard sont bonnes. Mais je fais face à une situation face à ma belle-mère qui pourrait aller jusqu'à ruiner ma vie. Calme-toi, ok? Calme-toi, oui. Ok, je dois y aller. Il faut que j'aille chercher mon fils. Je me demande pourquoi je raconte ma vie en inconnu. Je dois y aller. Attends une seconde. Et si cet inconnu pouvait être utile? Et comment? Je suis avocat. Pardon? Et je suis plus que jamais intéressé par ton cas. T'es sérieux? Oui, je suis. T'es un avocat? Oh mon Dieu. C'est excellent. Oh, mais bon. Laisse-moi t'aider. D'accord. C'est bon. J'en ai un autre. C'est ça. Je peux t'aider? D'accord. Merci. Je t'en prie. C'est vraiment gentil. Waouh. Merci. C'est bon. Merci. Je t'en prie. Tu habites là? Ouais, c'est ça. D'accord. À plus tard. D'accord. Merci. Au revoir. À plus. Bye. Bye. Ma belle-sœur d'amour. Ma personne de confiance. Hey, devine quoi? Quoi? Devine juste, non? Devine! Dis-moi une fois. Tu sais, je suis nulle au deviner. Ok, c'est bon, je vais te le dire. Ok. Oh, mon Dieu. Calme-toi, non? Ok. J'ai rencontré un mec. Je l'ai rencontré au parc. Il s'appelle... Caleb. Ouais, Caleb. Attends. T'as rencontré un gars? Jean Blossom a rencontré un mec? Un mec, un vrai? Bien sûr, c'est ce que j'ai... Oh, non. Voyons, ma chérie. J'ai rencontré un mec, c'était une rencontre ordinaire. Bref, c'était une simple rencontre. Genre, je l'ai vu, il m'a vu, peu importe. J'ai juste rencontré un mec, c'est tout. Hein? Eh bien, tu sais que je pleure encore l'amour de ma vie. Et t'imagines rien, c'est un avocat. Oh mon Dieu, tu parles d'un avocat? Exact. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alors, cet avocat, combien coûte-t-il? Je suis heureuse. Te demander. Rien du tout. Je veux dire absolument rien. Rien. Rien, comme tu l'entends, rien. Apparemment, tout comme moi, c'est aussi un veuf. Donc, il comprend ce que c'est que de perdre quelqu'un qui nous est vraiment, vraiment cher. Il comprend, donc wow. Il va le faire gratis. Ok, j'aimerais rencontrer cet avocat un jour. T'en fais pas, un jour tu le rencontreras. Très bientôt. Alors, es-tu prête à affronter ma mère? Thank you.
Je ne sais toujours pas, mais... Ne t'en fais pas. Ça ira. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable par rapport à ça. Maintenant que t'as un avocat, tu dois te préparer à remporter cette affaire. Ok? Après analyse, je pense que je devrais donner à chacun l'occasion de changer d'avis avant que cette affaire ne soit portée dans mon tribunal. Avec tout votre respect, votre honneur, je pense que nous devons poursuivre la procédure dans ce cas comme il se doit. Laissez-la parler, Madame Blossom. Votre honneur, j'ai été mariée à mon mari pendant 8 ans. Et durant ces années, je me suis occupée de lui, je l'ai aimé. Aujourd'hui, il nous a quittés. Donc, vous essayez de me dire que ses propriétés et ses biens doivent vous revenir? Non, non, non. Tout ce que je veux, c'est mon fils et son héritage. C'est tout ce que je demande. Avec tout votre respect, votre honneur. Pardonnez. Excusez-moi, votre honneur. Tout ce que je veux, c'est mon fils. Je veux que mon fils rentre à la maison et je veux son héritage. Êtes-vous prête à vous battre pour lui? Si on poursuit l'affaire? Votre honneur, ma cliente que voici est une pauvre veuve sans défense. Tout comme de milliers de veuves dans le monde, livrées à elles-mêmes. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire de cette affaire une haute priorité. Alors c'est un oui? Ouais. Merci, votre honneur. Tu peux toujours rêver de cet héritage. J'aimerais te voir périr dans la misère. Est-ce une menace? Prends ça comme tu veux. Défendeur! Oui, votre honneur. C'est une affaire de famille. Votre collègue et vous devriez réexaminer la question. Si ça ne marche toujours pas, alors vous pourriez amener au tribunal. Madame. Quoi? Je pense que nous devons revoir notre plan. Que voulez-vous dire par là, Bissy? Voyons, je vous prenais pour une avocate féroce. Je sais, mais j'ai un mauvais pressentiment. Et mon expérience dans ce business m'a appris à ne jamais me lancer dans un procès avec mauvais pressentiment. Je ne vous ai pas payé 2 millions de naira pour échouer. Récupérez-moi cet héritage et ce garçon. Et rassurez-vous que cette fille crépisse en prison. Ou alors, ramenez-la dans son stupide village d'où elle vient. N'importe quoi. Ok, bien entendu. Je ferai de mon mieux. S'il vous plaît. Je vais vous laisser maintenant. Passez une bonne journée. Sale stupide. J'avais raison pendant tout ce temps. J'ai eu raison à ton sujet. Et qu'est-ce que tu insinues? Penses-tu que j'ignore que tu as couché avec cet avocat pour qu'il puisse te défendre au tribunal? Oh oui, je te prie de le nier. Nie-le! Nie-le! Qu'as-tu d'autre à offrir, si ce n'est ce corps répugnant et dégoûtant? Donc c'est de ça qu'il est question. Et tu ne l'avais pas vu venir, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je coucherai avec un démon et même le diable. J'irai même jusqu'à vendre mon âme au diable. Que de te voir voler l'héritage de mon fils! Maintenant, c'est une affaire personnelle. Peux-tu, s'il te plaît, m'excuser? Sale peste.
qu'est-ce qui est vrai? T'as couché avec l'avocat pour défendre ton fils? Seigneur, pourquoi soudainement tout le monde trouve étrange qu'une femme essaye de se battre pour protéger l'avenir de son fils? Hein? Je te juge pas. Je te juge pas du tout. Je veux juste savoir, as-tu couché avec... Je ne l'ai pas fait! Je n'ai couché avec personne! Mais Cassie, s'il faut que je couche avec lui, je le ferai! Compris? S'il te plaît, excuse-moi. Et voilà ma propre fille. Tu es morte pour moi. N'importe quoi. Hey. Bonsoir, Caleb. Et qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Excuse-moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'on célèbre? Eh bien... Je dirais... Désolé. tu sais, on dit que c'est bon de célébrer maintenant et de gagner plus tard. Oui. Donc... Tiens. Ça donne de l'énergie. Oui. Santé. Alors, dis-moi, c'est quelque chose que tu fais avec tous tes clients ou il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Ok. Assez joué, ok? Assez joué. Bien. Alors, allez-y, monsieur l'avocat. Bah, voyons. Tu ne vas pas me lâcher, c'est ça? Je me trompe? Ok. J'apprécie tout ce que tu as fait pour moi. Et je te suis vraiment, vraiment reconnaissante. Mais... Ok, c'est bon. Ça va. À quoi est-ce que je m'attendais? Je veux dire, avec tout ce qui se passe, c'est stupide. Non, tu ne peux pas dire ça. C'est bon, c'est juste que je ne suis pas prête pour ça maintenant. Je ne suis pas prête pour ça maintenant. C'était juste une parenthèse. Alors, que faisons-nous? À ce rendez-vous étrange? Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on prévoit? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je rigolais. Oh, mon Dieu. Ok, santé encore. À la vie. Oh.
Tu peux sourire maintenant. Non. Cassie, qu'est-ce que tu fais là? Je te retourne la question. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est bon, en passant, Cassie, Caleb... Cassie, la sœur à mon défunt mari, c'est elle qui a toujours été mon soutien. Depuis tout ce temps, c'est ma force. Oh, je vois. Enchantée, Cassie. Enchantée. Alors, comment vous êtes-vous connue? Relax. Cassie, c'est l'avocat dont je t'ai parlé. Donc, on se calme, je ne vais pas te tromper. Quoi? Quelle idiote, ne faites pas de... Ouais, c'est juste une blague. Bien, mesdames, je dois y aller maintenant. Bien que j'aimerais rester encore un peu, je dois m'en aller. Oh oui, je dois retourner au travail. L'affaire? Oui. Oh! Avec de la chance, on pourrait même avoir Alex avant le procès. Oui, et pour être franc, j'aimerais en finir avec tout ça avant le jour du procès. Donc je dois y aller. Merci. Ok. On se voit plus tard. Bien, bye. Cassie, allez! Je ne donne même rien à ce type. Allez, vas-y, détends-toi. Je t'ai dit que je ne te tromperai jamais. Allez, rentrons. Qui est là? Madame, c'est moi, Bizzy. Ah, Bizzy. Bonne arrivée, allez, entre. Madame, nous avons un souci. Un gros souci. Un souci? Quel genre de souci t'amènerait-il ici à cette heure? J'étais en route pour aller voir le juge concernant l'affaire. Quand j'ai reçu un message mystérieux. Quel message? De quoi est-ce que tu parles? Is this life? Mama, why are you doing this to me? Never did bother to be part of your family. Why are you killing? Qu'essayes-tu de me dire? Non, 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 ne me dis pas ça, n'ose même pas. Bien sûr, tu... Oh, ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Pourquoi ne fais-tu pas les choses comme il le faut? Je l'ai toujours ça. Tu as toujours été faible devant elle. Alex? Oui, tata. Alex! Alex! Ah! Oh! Oh! Est-ce que ça va? Tu vas bien? Tata Cassie, où est ma mère? Ta mère? Tu dis ta mère? Blossom? Blossom! Cassie, qu'est-ce qu'il y a, non? Alex? Alex! Non. Cassie, ça n'a pas de sens. Crois-moi, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'il ne se souvient de rien? Il ne se souvient même pas où on l'a mené. Il ne se souvient même pas où il était toute cette semaine dernière. Je suis vraiment confuse. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé cette semaine dernière. Honnêtement, tout ça n'a aucun sens pour moi non plus. Il n'a même pas vu le visage des kidnappeurs que nous connaissons déjà.
Ouais, ouais, mais malgré ça, ils devraient au moins se rappeler si c'était des hommes ou des femmes. S'il était dans un bâtiment inachevé, une grande maison, une petite maison ou n'importe quoi, il ne se rappelle absolument de rien. Regarde, il se comporte de façon étrange. Regarde, non. Regarde, non. Fils. T'inquiète, ça ira. Il va se remettre. Nous ne pouvons pas encore tirer de conclusion. Regarde. Regarde, Cassie. Regarde, mon fils. Mon Dieu. Cassie? Oh, Alex? Cassie? Hey. Oh. Cassie, je ne suis ni infirmière, ni médecin, mais je peux t'assurer que mon fils a été drogué. Maman, maman, pourquoi est-ce que tu lui fais ça? C'est juste un petit garçon. Ah. Écoute, je suis désolée. C'est vrai que je n'aime pas ce qu'il a fait, mais je ne te laisserai pas la frapper encore. Mais elle le mérite. Non. Elle le mérite, Cassie. Non. Laisse-moi la tuer et aller en prison. Non. Non. Et qui va prendre soin de ton enfant? Dis-moi. Qui prendra soin de lui? Quoi? Oh non, 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 non. N'y pense même pas. Je ne suis pas une bonne mère, ça, pas du tout. Pas moi. Je ne veux pas. Désolée. Honnêtement, je ne pense pas qu'il soit en sécurité ici. Donc, laisse-moi l'emmener à l'hôpital. Il n'est pas bien ici. Non, 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 non. Non. Je ne veux plus laisser mon fils une seule seconde. Je ne peux plus le laisser une seule seconde. Si tu veux faire quelque chose, fais-le ici. Tu ne comprends pas. Je dois utiliser l'équipement de l'hôpital. Il pourrait avoir une substance toxique dans son sang, ce qui affecterait sa santé. Donc, tu dois baisser la garde. Officier, c'est elle. Arrêtez-la. Madame, vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que vous faites là? Comment osez-vous débarquer chez moi pour m'arrêter? Salut. Et pourquoi pas? Toi? Donc comme ça, t'as pas retenu la leçon, n'est-ce pas? Nye, 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 nye. Tu es en train de le retenir juste pour la mort de mon fils. Quoi? Tu as tué mon fils. Et je me tiendrai avec joie contre de moi. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Je te le jure, tu ne le feras pas. Madame, tout ce que vous direz ou ferez sera retenu contre vous au tribunal. Oui. Vous avez droit à... Je connais mes droits. Je connais mes droits. Et en ce qui te concerne, tu sais que j'ai meilleur avocat que l'argent ne peut acheter. Oh, vraiment? Ouais. Bien. Officier, amenez-la. Madame, je ne veux pas vous toucher, s'il vous plaît, avancez. Avancez! Je reviendrai pour toi. Nous avons kidnappé son fils. Mm-hmm. Et maintenant, vous êtes prête à couler la mort de votre fils. Laisse-moi chérir ça. Il n'y a rien que l'argent ne puisse acheter. Plein de docteurs veulent du fric.
Ok, si vous le dites. Bien sûr que je l'ai dit. Allons à l'intérieur. Non, 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 je dois partir. Ok. Je vous appelle plus tard, ok? Bye. Ok. Alex, on y va. Tata cassée, je ne me sens pas bien. Malade? Non, non, tu l'es pas, tu vas bien. Ok? T'es mon bébé garçon, t'es pas malade. On y va, ok? Tu penses encore à mamie? Ah, c'est vrai? Je dois te dire, mamie veut me faire du mal. Mamie? Non! Écoute... Mamie n'est pas du tout contente, mais non. C'est pour ça qu'elle agit de la sorte. Mais elle ne peut jamais, je dis bien jamais, te faire du mal. Pas du tout, d'accord? Je veux voir ma mère. Bien sûr, on va voir ta mère à l'intérieur. Et tu sais quoi? Elle prépare un délicieux repas. Ton préféré, allons-y. Ah oui? Et voilà ma fille prodige. Maman, où est Blossom? Elle ne vit plus ici. Viens, mon garçon. Maman, viens, qu'est-ce que t'as encore fait? Ce que j'aurais dû faire depuis que Femi est mort avec elle dans la chambre. Quoi? De quoi est-ce que tu parles, maman? De quoi est-ce que je parle? Blossom a tué mon fils. Non! Blossom a tué mon fils. Et elle doit payer pour ça. Laisse-moi parler. Maman, laisse. Fils. Maman, non, non! Alex, viens, viens, viens. Alex, Alex, écoute-moi. Ouvre la porte. Écoute-moi. Ta mère est dans un gros pétrin. Et nous devons l'aider. T'es prêt pour cela? Oui, tata. Bien. Donc, s'il te plaît, reste juste tranquille. Attends que je réfléchisse. Cassie! Ouvre la porte! Je crois savoir où elle est. Comment ça a été? Oh, bien, et là sont les preuves qui incriminent ma mère. Tout est là-dedans. Oui, vas-y, ouvre. Alors, que faisons-nous à propos? Tu sais combien les gens sont corrompus de nos jours et je ne fais pas confiance en ma mère. Ah... Retrouvez-moi au commissariat tout de suite. Sinon, on se verra au procès. Allons-y. Avec plaisir. Oh. Vous savez toutes les deux comment tout ça va se terminer.
si la juge tombe en possession des preuves que j'ai contre votre cliente. On ira voir un médecin. Comment comptez-vous expliquer au juge que ma cliente que voici a drogué et kidnappé le fils de votre cliente? Devons-nous tenir compte de votre position dans cette affaire, Monsieur Caleb? Oh! Vous le pensez vraiment? Oui. Ok. Dites-moi si elle découvrait que le docteur en question est votre propre fille. Je veux dire, pouvez-vous imaginer qu'une fille lambda veuille condamner sa mère à 15, 20 ans de prison? On n'en arrivera pas là. Magnifique. Alors pouvons-nous avoir une discussion? Que voulez-vous en échange des preuves? Merci beaucoup. C'est absolument parfait. Maintenant, je vous conseillerais de m'écouter très attentivement pour que je n'aie pas à me répéter. Allez-y parler, soyez rapide. Bien. De toute façon, ma cliente en a marre. Elle en a marre de votre présence dans la maison de son mari. Alors, voici ce qu'on va faire. Nous allons signer un contrat stipulant, exigeant que vous partiez de la maison de son mari. Je pense que vous avez perdu la tête. Vous croyez? Je le sais. Ok. Ah, avec la grande preuve que j'ai contre vous, pensez-vous que j'ai perdu la tête, Madame Anna? Puis-je parler à ma cliente à huis clos? À huis clos? Allez-y. Cela ne peut pas arriver, Bussy. Je suis désolée. Fais quelque chose, s'il te plaît. Je suis désolée. Mes mains sont liées. Non, non, non. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Cela se fait déjà. Je vous ai parlé, mais vous ne m'avez pas écouté. Si la juge apprend cela, je pourrais perdre ma licence. Ou encore pire, je risquerai d'aller en prison avec vous. Elle a tué mon fils. Il était en forme. Elle l'a assassiné. Et maintenant, je dois la laisser garnir. Il s'agit d'un petit compromis. Nous les retrouverons toujours au tribunal en ce qui concerne l'héritage de Femi. Même si je ne vous promets rien. Peut-être 50%. Et cela, s'ils sont prêts à jouer. J'ai des faux documents. Je ne sais pas s'ils détiennent les originaux. Si je peux me permettre cela, à combien s'élève la fortune de votre fils? Je ne suis pas certaine. Peut-être environ 10 milliards de naira. J'ai perdu mon fils. Ça va aller, madame. Ne vous pas, je sais quoi faire, ok? Essuyez vos larmes, je n'aime pas les voir. Ok? Allons à l'intérieur. Allez, on y va. Bienvenue à nouveau. Merci. Quel est le contrat? Oh, c'est super. Cool. Super bien. Mais
Hey. Il n'y a pas de mais qui tienne, ok? Il n'y a pas de mais dans cet accord. Pouvez-vous m'écouter, s'il vous plaît? Allez-y. Ma cliente a vécu dans cette maison pendant longtemps. Vous ne pouvez pas la faire partir juste comme ça. Pouvez-vous lui laisser un mois? Le temps de se préparer. Vous avez dit un mois? Oui. Ah, pour qu'est-ce que vous me prenez? Un idiot? Non, je... Attendez une seconde. Bien. Je vous suggère d'écouter ça. Oui, nous devons parvenir à un arrangement tout de suite. Ah, oui. Oui, signez-la. Merci. Je vous remercie. J'ai reçu un appel de Cassie de la retrouver ici. J'ai manqué quelque chose? Si je me souviens bien que... Je t'arrête tout de suite. Alors, ne pose pas trop de questions. Ok, belle prise. Ok, fais-moi voir. Wow, wow, wow. Regarde ça. Wow. Wow. Regarde ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on est mignon. C'est si beau. Viens t'asseoir là, viens. Ok, je suis prête. Oh, on va en prendre une autre. Viens là, mon bébé. Oh. Voyons ce que ça donne. Wow, wow, wow. Regarde ça. Trop mignon. Magnifique. Tu la rends magnifique de toute façon. Oh, avec cette grosse tête. Oh mon Dieu. Wow, j'adore wow, wow. Celle-ci. Ouais, j'aime aussi celle-ci. Oh, elle n'est pas mal. Vraiment très beau, n'est-ce pas? Cassie, quand est-ce que tu es arrivée? Je n'aime pas cette question. Elle est totalement absurde. Ben, je suis là. Cassie, tu dois comprendre. Caleb est juste... désolé. Caleb! Cassie, je t'en prie, tu dois te calmer, tu dois comprendre. Je pensais que tu faisais tout ceci pour Alex. Ouais. Bien sûr que je le fais pour Alex. As-tu couché non, avec lui? Non, 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 mais Cassie, t'es aussi une femme comme moi. Et tu sais ce que c'est que de se sentir seule. Je ne peux pas... Je ne cesse de penser
Atto, le bien qu'il nous a fait, tu comprends? En plus, il n'est pas mal comme homme. C'est un bel homme et... Oh, s'il te plaît, t'es amoureuse de lui? Non. Non. Bref, je ne sais pas. Je suis confuse, je ne sais pas. Et lui, il ne l'est pas non plus? Non, non, pas du tout. C'est vrai qu'il le voulait, mais je lui ai demandé de m'accorder un peu de temps pour pouvoir me remettre. Mais Cassie, pourquoi t'es autant intéressée par ça? As-tu pensé à ce que Alex ressentira quand il te verra avec cet homme? Je ne sais pas, je ne sais pas. Caleb? Caleb! 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 Caleb, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée du comportement de ma belle-sœur tout à l'heure. Je suis vraiment désolée. Alors, tu pardonnes? Ta belle-sœur? Ouais. Oh, voyons ma belle, ça va? En ce qui me concerne, je n'y vois aucun inconvénient, ok? C'est normal. C'est normal d'être jaloux. C'est normal qu'elle soit jalouse à cause de son frère. Ouais, je sais. Mais elle doit comprendre... Tout comme moi, c'est une femme. Et elle doit comprendre en tant que femme qu'en ce moment, j'ai besoin de passer à autre chose. J'ai besoin d'un homme qui va me faire me sentir femme. Surtout en ce moment où les choses vont... C'est bon. C'est bon. Peut-être... Eh bien, peut-être qu'il faudrait cesser de parler de ça pour l'instant. Et allez chez moi pour que je te montre de quel bois je me chauffe. Vraiment? T'es sûre de ça? Je le suis absolument. J'ai vraiment hâte. C'est vrai? Ouais. Allons-y. Mauvais garçon. Nous avons vraiment sous-estimé cette femme. Une femme? Tu appelles celle-là une femme? C'est un démon dans le corps d'une femme. A-t-elle couché avec lui ou quoi? Qu'elle couche avec lui ou pas, peu importe. Mais a-t-il couché avec ma fille pour la monter contre moi? Nous allons bientôt avoir notre procès. Dieu merci que le juge est une femme et non un homme avec qui elle peut s'envoyer en l'air. Tu seras surprise. Elle va nous surprendre. En tout cas, j'ai rendez-vous avec son avocat. Pour parvenir à un accord. Cela, si vous êtes d'accord. Bien. Tu lui donneras 5 millions de naira. Je pense que ça pourra aller. Non, 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 non. Nous leur donnerons 500 millions de naira. On leur dira que votre petit-fils aura 1 million de naira liquide. Et moi alors? 9,5 milliards de naira. Ça va marcher? Laissez-moi faire. Personne ne sait qu'on utilise de faux documents. Nous allons les utiliser jusqu'à ce qu'elle le découvre. Ok, je suis d'accord. Avec vous. Je prie que ça marche. Ça le fera. Ça le fera. Hey! Salut, ma belle. You have material. Hey. Ouais, c'est ça. Ouah. Allez, ma puce, quoi de neuf? Allez. Ma bestie de confiance. Quoi de neuf? Allez, non, surette. T'es ma famille. T'es toujours en colère contre moi, n'est-ce pas? La famille ne couche pas avec les inconnus.
Ou bien tu as du dédain pour lui? De quoi est-ce que tu parles? T'as pas trouvé le sommeil la nuit dernière, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce que tu en penses si on le partageait toutes les deux ou alors je te l'empruntais? Bah, c'est dégueu. Pas de partage. D'ailleurs, c'est pour être en forme. Oh, donc maintenant tu sais que toute femme a besoin de ça pour garder la forme, n'est-ce pas? Eh bien, Caleb m'aide à garder la forme. Qu'est-ce que tu dis de ça? Vous pouvez faire ce que vous voulez, je m'en fous. N'oublie juste pas pourquoi tu le fais. D'accord, je le promets, je ne l'oublierai pas. D'accord? Donc, laisse-moi te raconter tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Mensonge, mensonge, mensonge. Je ne veux pas du tout t'écouter, je t'en prie. Mais où est passé ce truc? Je l'ai déjà cherché partout. Je ne le retrouve nulle part. Mais non, ça m'énerve, je suis même déjà fatiguée. Où est passé ce truc? Qu'est-ce que c'est lourd? Cassie? Hey, Blossom? T'aurais vu mon calepin? Je le cherche partout. En fait, je l'ai déjà fouillé partout, je ne le trouve pas. Tu sais que j'ai pas accès au compte de ton frère. T'inquiète, très bientôt, t'auras accès à son compte. Ah, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Tu sais, il faut que je prenne mon propre appartement. Oh, mon toit. J'aime bien entendre ça. Mon toit. Ouais. Donc, je dois fouiller. Je ne sais et pas. Et ta carte bancaire? Elle non plus, je ne la trouve pas. J'ignore où elle peut bien être. Je ne comprends pas. Cette valise. Je suis certaine que ça ne se trouve pas là. Parce que cette valise est là-bas depuis. Ça fait un bambou. En fait, je ne m'approche même pas d'elle. Regarde, c'est une vieille valise. Elle, je... Les seules choses que j'ai là-dedans, ce sont mes vieux vêtements que je compte offrir à ces gens qui se trouvent au village. Alors, pourquoi te gênes-tu à l'emmener? Je ne sais pas, je suis certaine que ce n'est pas ici, mais je vais quand même... Mais pourquoi te gênes-tu à l'emmener? Ma sœur, je suis fatiguée, oh. J'ai cherché partout, à l'extérieur, à l'intérieur, je n'ai rien trouvé. Et même dans ce sac, il n'y a rien, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais, ce sont des vieux vêtements que je veux offrir. Je suis fatiguée. Blossom? Oh mon Dieu! Les documents originaux de Femi, ils contiennent... Montre-les-moi. De quoi tu parles? Mon Dieu! Ces titres foncés et si bien... Regarde-les bien! Oh mon Dieu! Cassie, c'est vrai! Cassie, t'as raison! Seigneur! Oh. Cassie, je n'y crois pas! Je n'y crois pas! Bébé, j'aime bien celui-ci. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ça t'irait très bien. Tu as raison. Je sais. Ouais, pourquoi pas? Bébé. Ouais, Trésor. Tu vois cette maison? Je veux que tu saches que... Ouais? Tu y trouveras tout ce dont tu auras besoin en cas de problème dans l'avenir. Notre chambre en particulier. Que j'aurai besoin à l'avenir? Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'es pas inclus dans mon avenir? Tu sais, c'est juste au cas où. Mais j'aimerais t'assurer que, quoi qu'il puisse se passer, notre fils et toi seraient en sécurité. Ok? Mon amour, je n'aime pas cette façon de penser. C'est juste pour prévoir, tu sais.
Non, bébé. S'il te plaît, change de sujet, change de sujet. Cassie, oh mon Dieu, je ne comprenais pas l'importance de ce que Femi disait. Il disait des choses comme tout ce dont j'aurais besoin au cas où il lui arrivait quelque chose se trouverait dans cette chambre. Mais je ne le prenais pas au sérieux. J'étais vraiment idiote. Idiote, vraiment idiote. Tu ne l'avais pas pris au sérieux. Cassie, je souffrais. Oh mon Dieu. Merci. C'est bon. Merci, Jésus. Hey. Tu ne connaissais pas mon frère à ce niveau. Je ne le connaissais vraiment pas bien, comme tu viens de le dire. Hey, mon Dieu. Oh, Blossom. Cassie, je t'assure, tu ne comprends pas. Hey. Merci, Jésus. Arrête, appelle Caleb. Blossom, tu dois appeler Caleb et voir comment mettre fin à cette foutaise. Avant le tribunal, juste appelle-le, on n'a pas de temps. Ouais. On n'a vraiment pas de temps. Très important, je dois l'appeler. Où est mon téléphone? Ça résout tout. Oui. Oui, ça change totalement la donne. Oui, en effet. Ça change. Eh bien, à ce que j'ai lu, 80% de ses biens vous reviennent. À toi et à ton fils. Oh, si mon nom pouvait y être. Oui, bien sûr, tout est ici. Tu as 10% pour toi. Et l'hôpital aussi, tu reviens. Oh, oui. Merci, Seigneur. Je ne reviens pas. C'est un miracle. Et les autres 10%? À ta belle-mère. Oui, à ta belle-mère. Mais j'ai des doutes. Parce qu'avec toutes les charges levées contre elle, je pense qu'elle sera ravie de s'en sortir libre. Mais on peut toujours faire quelque chose, non? Oui. Ouais, alors faisons la fête. Allez, allez, viens là, viens là. Viens, mon amour. Content. Oh mon Dieu. Merci. Je prie qu'on remporte cette affaire. Bien sûr, on le fera. Es-tu sûre? Faites-moi confiance. J'ai confiance. Qu'est-ce que c'est? Es-tu là pour me supplier ou pour te faire voir? C'est ce que tu penses? En tout cas, je suis prête. Mais gare à vous. Ceci sera perçu comme enfreinte à la vie privée au tribunal. Hé! Hey, asseyez-vous! J'ai dit asseyez-vous! Est-ce que vous me commandez? Vous êtes sérieuse là? Ok, permettez-moi de vous demander. Savez-vous où les documents de cette maison se trouvent? Ouais, bien sûr. C'est pour cette raison que vous êtes là. De quoi parlez-vous? Bien. Voyons ce que nous avons là. Permettez-moi de vous le lire. Oui. Voyons ce qu'on a là. Oui. Permettez-moi de vous le lire à haute voix, ok? Abus.
torture, drogue et kidnapping de mineurs. Et ce n'est pas tout. Et falsification de documents sensibles. Madame Anna, vous êtes en état d'arrestation pour abus, kidnapping et utilisation de drogue illégale sur un enfant. Et falsification des documents légaux de mon défunt mari. Mettez-les rapidement hors de ma vue. Bissi. Officier, arrêtez-les. Mes mains sont liées. Je ne peux rien faire. Mes mains sont liées. Debout! Qu'est-ce qu'il y a? Je connais mes droits. Avancez! Ne me touchez pas. Vos droits. Dorénavant, vous n'êtes plus une avocate. Car votre licence vous a été enlevée par le juge. Officier, s'il vous plaît, amenez-les. Allez-y, s'il vous plaît, allez-y. On y va. Avancez. 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 Ne me touchez pas. Okay. Avancez. Avancez. Tu connais tes droits. Exactement. N'importe quoi. Cassie, ma belle. Is this life? Ceci n'est pas encore fini. Note ça très bien. Exactement. Mais pour l'instant, tu dois partir. N'oubliez pas de veiller sur les biens de votre mari. Parce que j'arrive pour ça. Maman, désolée. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qu'elle t'a donné. Mais j'espère qu'un jour, tu réaliseras que c'est elle le diable et qu'elle est en train de détruire notre famille. Maman, tu mens. Vraiment? Maman, tu ne l'aimes pas juste parce qu'elle n'est pas Yoruba. Maman, s'il te plaît. Arrête de me toucher. On peut toujours vivre ensemble, tu sais. Maintenant, dis-moi, que va-t-elle faire avec l'héritage qu'elle aura? Rester dans la famille? Se trouver un bon mari pour l'épouser? Écoute, elle ne restera pas veuve à vie. Je me disais bien. Peux-tu m'aider à porter les valises, princesse? Apporte-les vers le taximan hors du portail. Ou tu peux disparaître hors de ma vue. Is this life? Mama, why are you doing this to me? Ok, regarde. Tu connais ce dessin? Ok. Et ça, attends voir, je te montre un autre. Regarde ça. Je sais que tu aimes ceci, je le sais très bien. Celui-ci est très créatif, je l'aime bien aussi. Bon, on continue. Allons-y. Ok, on continue. Coucou, mon chéri. Coucou, maman. Maman, tu pars quelque part? Ouais, maman fait une petite sortie. Mais t'inquiète pas, je te garderai quelque chose à mon retour, d'accord? Ok. Je vais faire un petit tour. Ne me dis pas que tu sors encore avec l'avocat. Jésus, Blossom. Je pensais que tu le faisais pour l'affaire. Ouais. Peu importe, je le faisais pour l'affaire, mais je l'aime bien. En fait, je pense qu'il m'aime également. Qu'est-ce que je raconte? Bon, à tout à l'heure.
S'il te plaît, prends bien soin de mon fils. Ok. À toute. Bye. Je vous aime, mes amours. Vous aussi. Non, 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 non. Non! Tu ne peux pas l'épouser. Pas du tout. Cassie! Viens, je sais que t'as toujours voulu mon bien. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je ne devrais pas l'épouser? Je t'en prie, tu veux tout avoir, c'est bien ça? Tu veux avoir toutes choses et tout le monde. Oh non, Cassie. Cassie, s'il te plaît, enlève cette partie que tu viens de dire. Arrête. Sinon, quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas en faire? Ah, je t'ai donné tout ceci. Et crois-moi, tu peux aussi le perdre si je décide. Ok? Excuse-moi. Chérie! Ah! C'est pourquoi ça? Tu connais bien la raison. D'abord, tu me demandes de coucher avec elle, et maintenant, tu lui demandes de t'épouser. Épouser qui? On n'est pas allé aussi loin pour que tu finisses par rebrousser chemin. Comment suis-je censé lui prendre toute sa fortune? Comment? Dis-moi! Alors, tu ne l'aimes pas? Mon cœur, comment oses-tu? Comment oses-tu me poser une telle question? Tu es ma vie. Tu es ma putain de vie. Tu le sais très bien. Comment pourrais-je la choisir à ta place? Dis-moi. Es-tu sûr? Crois-moi. Sûr à 100%. Maintenant, laisse-moi te montrer à quel point je suis sincère. Mon amour? Cassie! Je suis là! Cassie? Ah!
Elle a découvert. Rien. Tout est à sa place. Exactement comme tu l'as laissé avant de sortir. Non! Alors, qui a déposé ceci? Qui ça peut être? Oh Dieu. Dieu. Penses-tu qu'elle nous a vus? Nous devons la tuer. Tout de suite. Cassie, écoute-moi. Personne ne va tuer personne, ok? On doit être sûr. Pourquoi? Nous avons eu ce que nous voulions, quoi d'autre? Caleb, tu m'as promis que tu n'allais pas tomber amoureux d'elle. T'as promis! Écoute-moi, ok? Ce n'est pas ce que tu penses. J'essaye tout simplement de te dire que si elle meurt, on sera les suspects. Souviens-toi, ta mère est en prison. Qu'allons-nous gagner si elle meurt? Je veux juste te dire que nous devons en être sûrs. Nous devons nous rassurer. Oh mon Dieu. Seigneur, j'ai juste envie de mourir. Seigneur. Cassie ne peut pas me faire ça, Cassie. Seigneur, idiot, dégage, idiot. Seigneur. Comment tu vas? Cassie, ma chérie, comment est-ce que tu vas? Oh ouais, c'est froid, le shawarma, n'est-ce pas? Oh ouais. Où es-tu maintenant? Ah, le shawarma? Ah, fais pas attention, ma puce. Je l'ai déposé devant la porte. J'étais vraiment pressée, ma chérie. J'ai mangé un de ces haricots. Écoute, ma puce, si je te raconte, je me suis presque fait dessus. Je t'assure. Donc, je me suis empressée. Allô? Non, je ne rentrerai pas de si tôt. Je ne rentrerai pas à la maison cette semaine. Tu peux avoir la maison pour toi toute seule. Tu sais, c'est la première fois pour moi de gérer une compagnie. Tu sais, je suis pas encore habituée à ces choses. C'est encore très stressant pour moi. Ouais. Cassie. Attends, t'es certaine que t'es pas avec un homme à la maison? Ou alors c'est ton mec que je connais là. Super, amuse-toi, profite bien, profite de la vie, éclate-toi, profite de la maison. Je rentrerai la semaine prochaine, ok? Alex est avec Dora, Suzelle. Ouais, Suzelle, ouais. Blossom? Elle semble normale comme d'habitude. On dirait qu'elle n'a rien vu ni entendu. Mais nous devons la tuer. Ah.
be unfair. The one I call my friend, that's the person that is killing me. What a wicked world, oh. This life is so bad, so bad. Je vais à l'étage. Tu viens? Je suis d'humeur, tu sais. Et quand je le suis, tu sais ce qui se passe. Je vais fermer la porte cette fois-ci. Oui, bien sûr. Hey, Cassie m'a tué. Cassie, pourquoi? Pourquoi? Chérie, ça ne me surprend pas. Hein? Crois-moi, oh, toutes ces filles Yoruba, je ne serais pas surprise qu'elles soient derrière la mort de Fimi. Et comme tu disais, il était en forme, n'est-ce pas? Donc, à part sa mère qui est en prison maintenant, qui penses-tu être le prochain? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, Dora. Dora? Les documents sont dans ma chambre. Oh mon Dieu. Dora, qu'est-ce qu'on va faire? Attends, Dora, attends, qu'est-ce attends, qu'on va réfléchir. Faire Dora, réfléchis, non? Comment va-t-on sortir les documents qui sont dans ma chambre? Réfléchis, je sais que je sais quoi faire. Oh. Je sais ce qu'on va faire. Don't let your emotions to take you so down. Never imagine that life could turn out this way. Blossom? Hé, hey, Cassie, ma chérie. Ma belle. Hé. Hey, alors quoi de neuf? J'ai cru que tu n'allais pas rentrer ce soir. Cassie. Donc tu veux que je m'en aille de chez moi ou quoi? Ah non! Ah non! Attends, c'est mauvaise... Toi, c'est mauvaise habitude. Toi? T'inquiète, t'auras la maison pour toi seule. Profites-en! Profite au max, amuse-toi! J'en profite déjà! T'aimes trop ces choses, oh! Non. Alors, quand est-ce que tu rentres, hein? Je suis maintenant une PDG, donc j'ai besoin de prendre soin de moi. Je suis venue prendre quelques vêtements parce que je ne veux pas dépenser inutilement. J'ai pensé que d'aller faire du shopping, que je vienne prendre mes vêtements. Donc c'est pour ça que je suis là. Hé, 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 allez, relax, ok? Comment peux-tu te tirer de la sorte en sa présence? Je ne peux pas! Relax. Je ne peux pas me détendre. Je ne peux pas me détendre auprès d'elle. Je la hais tellement. Écoute, il faut qu'on la tue aujourd'hui même. Ok. Essaye. Essaye de te calmer. Relax. Souffle. Hé. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Quoi donc? Une arme? Non. Le couteau est plus pratique. Je vais la tuer. Donne-moi ça, s'il te plaît. Je peux? Donne-moi ça, ok? Tu sais quoi? Je vais le faire moi-même. Oui, je le ferai. Caleb, j'espère que ce n'est pas ce que je pense. Oh, voyons, crois-moi. Je vais le faire. Ok. En y réfléchissant, je vais l'étouffer avec une pilule. Oui, de cette façon, personne ne nous suspectera. Oui. On doit faire croire qu'elle est morte naturellement dans son sommeil. Une maladie inconnue. Qu'en penses-tu? Moi qui pensais que tu n'étais qu'un lâche. Maintenant, je sais que t'as des couilles là en bas. Bien sûr, mon cœur.
Ouais, bien sûr. Va tuer cette fille et reviens. Rien qu'à y penser. Tu es tout excité. Caleb. Écoute-moi, juste calme-toi, écoute-moi, ok? Oui, je t'en prie, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Je sais ce que vous planifiez contre moi. Ne me fais pas ça. Tu sais qu'elle m'a payé pour régler ton cas? Quoi? Écoute-moi, ok? Ce n'est pas ce que tu penses. Au départ, on voulait juste prendre ton héritage. Je veux dire, je devais récupérer l'héritage et quitter le pays sans laisser de traces. Oh, mon Dieu, mais Caleb, tu m'as épousé. Oui, je sais, mais ce n'était pas le plan original. Je veux dire, au fur et à mesure, je suis tombé amoureux de toi. C'est pourquoi je ne peux pas te tuer. Elle veut que je te tue, mais je ne peux pas. Alors je le fais moi-même. Cassie, s'il te plaît, non. Pour cette arme. Cassie, ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne fais pas ça, ok? Si c'est par rapport à l'argent, tu peux le garder pour toi. Absolument tout, s'il te plaît, ne tire pas. Non. Non, cette pute m'a fait tuer mon frère. T'es un démon. Non, c'est toi. Tu es un diable. Tu l'as éloigné de moi. Je ne sais pas de quoi il parle. C'était des frères. Des frères jumeaux. Oui. Nous étions plus que ça. Amy était mon âme sœur. Mon amour intime. La manière dont il faisait l'amour était si parfaite. Jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de toi. Tu dois mourir. Lève-toi. Je dis lève-toi. Pas un geste. Quoi? Mais il t'a tué. Arrête-toi! S'il vous plaît, pitié, ne me tue pas! Oh. Oh. T'as fait une grosse erreur! Ah. Ah. Est-elle morte? Belle et bien. Es-tu sûr? Je t'en prie, rassure-toi avant que Blossom ne revienne. Elle est morte. I never imagined that life could be unfair. The one I call my friend, that's the person that is killing me. What a wicked world. This life is so bad.
questions to control you. Love is sweet, but love they keep. Don't let your emotions to take you so down. Never is mine. Je ne l'ai pas tué. Je ne suis pas un meurtrier comme toi. Je suis peut-être cupide, mais je ne suis pas un meurtrier. Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Lâchez cette femme. Baissez votre arme ou je tire. Tire! Non, c'est moi. Et cela fait déjà bien longtemps que j'aurais dû le faire. Sorcière. Mais... T'es en vie? T'es en vie? Elle voulait vous tuer, Alex et toi, et je ne pouvais pas laisser cela se produire. Voilà pourquoi j'ai simulé ma mort. Et j'ai mis les documents où tu pouvais les retrouver. Comment? Je n'ai même pas pu te voir la dernière fois. Ils ne m'ont même pas laissé voir ton corps. Je n'ai même pas pu voir mon mari pour la dernière fois. Pourquoi? Pourquoi moi? Tu me manques tellement, mon amour. Comment vais-je m'en sortir sans toi? Comment, dis-moi? Comment? S'il te plaît, dépose cette arme, ok? Alex et toi, mon futur, je suis témoin de tout ce qui s'est passé. Ok, s'il te plaît. J'imagine... Alors j'imagine que le moment est venu de présenter l'unique héritier. Alex? Papa! I've liked to be unfair. The one I call my friend, that's the person that is killing me. What a wicked world, oh. This life is so bad. So bad. What a wicked world, oh. Wicked world, oh. What a wicked world, oh. What a wicked world. Don't let your emotions to control you. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Love is sweet, but love they keep. Don't let your emotions to take you so down. Never imagine that life could turn out this way. One I'm loving is the green snake in a green grass. Oh, oh, oh. For a wicked world, for a wicked world, for a wicked world, for a wicked world. This life is so bad, so bad. For a wicked world, so bad, so bad. For a wicked world, can't believe what I'm seeing. For a wicked world, for a wicked world, I never imagined that life would be unfair. The one I call my